Je m'appelle Marinette Canto, je joue le commissaire Ruffin dans une série qui s'appelle Follow, qui va passer sur 13e rue. Et vous pouvez retrouver mon interview dans Lubie en série. Alors, le commissaire Ruffin, elle dirige la PJ et elle va s'occuper d'enquêter sur un tueur. Je ne dirais pas le reste. Ben justement, c'était que c'est une enquête assez particulière qui passe par les réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une espèce de modernité dans le scénario. Et aussi, je sentais que dans la réalisation, surtout, ça allait être très moderne. Et ça se vérifie. C'est un tournage assez intense parce qu'on faisait beaucoup de minutes par jour. C'était très ramassé comme tournage. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une grande envie de faire le film. Enfin, toute l'équipe était motivée par le film, motivée par le sujet, motivée par Louis, par le réalisateur. Et c'était une équipe très unie et très, du coup, il y avait une grande, grande, grande énergie. On était tous au service du film. C'était vraiment assez exceptionnel comme tournage. Bien, je pense que c'est un rapport à la fois d'attirance, d'admiration, d'estime et filiale, je pense aussi. Je pense qu'elle a quelque chose de... Agathe Ruffin, donc mon personnage, elle reconnaît ce qu'elle a pu être, elle, comme commissaire au tout début, c'est-à-dire quelqu'un de vif, de passionné, de très engagé. Je pense qu'elles ont une relation justement presque de transmission, comme si elle lui passait, elle pouvait lui passer le relais de ce qu'elle était, de ce qu'elle est en train de devenir, Léna. Oh oui, je pense que c'est son chouchou, il n'y a pas, on va le dire. C'est le flic avec lequel elle est le plus proche, en qui elle croit. Et je pense qu'ils s'entendent vraiment, mais de par leur caractère aussi. C'est-à-dire qu'il est assez obsessionnel comme elle et assez humain au fond aussi. C'est quand même une série qui parle du monde d'aujourd'hui, qui parle de la manipulation, qui parle de l'exposition et comment... Ce film propose une intrigue avec justement toute cette modernité et toute cette façon de communiquer aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment la force de la série, c'est comment ils ont réussi à faire une intrigue alors qu'en fait ça passe beaucoup par les réseaux sociaux et c'est fascinant, je veux dire.